Connaître et comprendre les principes comptables. Et comprendre les principes comptables. Ça va, monsieur Bastam? Oui, c'est bon. Comprendre les principes comptables, oui. Ok. Oui. Oui, c'est bon. Appliquer ce principe aux réalités. C'est bon, monsieur Bassam? Oui. Donc, appliquer les techniques et les procédures comptables. Pas uniquement oui. Les principes. Appliquer les techniques et les principes. Voilà. OK. Appliquer les principes. Par exemple, le principe de la partie double, il connaît le principe, il l'applique. Maîtriser ou bien analyser. Analyser la situation comptable. Oui. On peut dire même. Faire les états financiers. Non? Ou bien. On va dire, pas analyser les situations comptables, mais élaborer tous les documents oui. comptables. Oui, élaborer tous les documents comptables. C'est là que c'est ce que je veux dire. Voilà. Donc, il est capable d'arrêter le bilan, de faire l'inventaire. Les états financiers. Voilà, d'arrêter le bilan. Voilà, tous les documents comptables. Vous connaissez oui, formé. Voilà. Sur les techniques et les principes comptables. C'est bon. Aboud, il n'est pas encore avec nous. Abou? Oui. Est-ce que vous savez? OK. Donc, on avance, puis on va revenir. OK. Ben. Donc, qu'est-ce qu'on a fait maintenant? On a créé un référentiel comptable. Qui est vide. Maintenant, le référentiel comptable, il est vide. Hein? On a créé des compétences techniques. Oui. Maintenant, on va associer les référentiels techniques, les compétences techniques à notre référentiel. Donc, on va aller à configurer référentiel technique. On va choisir notre référentiel technique, AK. On va le modifier. Modifier. Voilà. Et on va cocher les compétences comptables pour lesquelles on veut les associer à notre référentiel.
Donc, on va cocher maîtriser les procédures comptables. Oui. On va cocher 103, 104. Maîtriser un homme, besoin bien. Non, ça, on ne veut pas. OK. Allez-y. Avec le curseur, vous descendez en bas. Non, Abiba, connaissance ISO, ce n'est pas nous qui a fait ça. Analyse financière, là. Analyse financière. Encore, je crois, est-ce qu'on a fait autre chose? Non. C'est bon. Donc, on crée toutes les compétences techniques qu'on aura besoin et on va les associer à notre référentiel technique. Et on va valider. Vous validez. Dans le KMS, c'est ainsi qu'on crée le référentiel. Je peux valider. Valider. Valider, oui. On va créer les tâches, les compétences associées à ce référentiel. Valider. Et comme ça, on aura notre référentiel. D'accord. Je peux fermer maintenant. Fermer maintenant. On va revenir à configuration. Et on va aller à gestion des tâches. Tâches. On va prendre, par exemple, la première tâche, analyser la situation financière. Elle n'a pas de tâche parent, modifier. Mais on va lui associer des compétences techniques. Modifier. On va modifier. Okay. Vous voyez, avant, dans la colonne compétences techniques, on avait quelque chose qui est vide. On n'avait rien. OK. N'est-ce pas? Maintenant, on a des compétences techniques. Oui. Et on peut faire associer des compétences techniques à cette tâche. Analyse financière, oui. Voilà. Par exemple... Voilà. Avant, commençons par maîtriser les procédures comptables. Ça? Oui. Oui, sélectionnez la loupe. Okay. C'est ça qui commence d'abord. Donc, laquelle des niveaux qu'on va associer à un analyste financier la maîtrise des procédures comptables? Est-ce que c'est comprendre les principes comptables? Oui, comme c'est la main, on doit apprendre à confirmer ou bien avancer. On peut l'apprendre comme? Comme c'est une main, c'est-à-dire il a sous-titre en dessous, on va apprendre à confirmer ou bien avancer. Est-ce que l'analyse financière, elle est tenue à élaborer les documents comptables? Non. Non. Oui. Donc, qu'est-ce qu'on va lui demander? Uniquement d'appliquer comprendre les principes. Procédures comptables. Comprendre les principes comptables. Peut-être comprendre les principes comptables. Quoique, c'est pas ça exactement. Oui. Quand même, appliquer les techniques et principes comptables pour un analyste financier. Il doit être capable de faire... C'est bon. Voilà. Peut-être il n'élabore pas le bilan, mais quand même, à ce niveau-là, il doit être au moins intermédiaire. Ce n'est pas un expert comptable. OK. Allez-y. Méthode de mesure, peut-être on n'aura pas besoin. ISO 9001, peut-être on n'a pas besoin. On va aller à l'analyse financière. Comprendre les états financiers et avoir une bonne lecture. Là, on va apprendre à confirmer bien avancer. Capable de créer des documents indicateurs dans l'analyse financière. Ah oui. On va confirmer. Pardon? Confirmer. Ouais. Maîtriser les techniques. Oui. Voilà, on va valider. Donc, vous voyez, dans les tâches,
c'est la seule tâche qui comporte des compétences techniques. Et voici les compétences techniques nécessaires pour cette tâche. Oui. C'est quoi analyser les écarts, ça? Dites. La deuxième tâche, analyser les écarts. Les écarts. Ça, c'est un travail de contrôle de gestion. Voilà. Ça dit ce qui a été prévu et ce qui a été réalisé. Oui. Ah, OK. Ça dit faire entre l'objectif et le résultat. Effectivement. OK. Donc, on va préciser un peu les écarts budgétaires. Oui. Okay. Oui. La tâche parente à cette tâche, c'est analyser la situation financière. Oui. Oui. Réellement, ce n'est pas analyser la situation financière, beaucoup plus c'est piloter. La situation financière. C'est piloter la situation financière. Qu'est-ce que vous okay. en ajoute, pilotage de la performance financière? On va ajouter une tâche, pilotage de la situation financière. Ajouter. OK. Ajouter. Oui, oui, on va ajouter une tâche tout d'abord. Pilotage de la performance financière. 1.K. AK plutôt. Espace. Pilotage de la performance financière. Oui. Oui. Donc, on va lui associer des compétences fondamentales, communication, organisation et raisonnement. Donc on va mettre... Super, monsieur. La tâche... Proactif, la tâche mesurée. Non, c'est proactif. La tâche mesurée. Allô? Oui. Allô? Oui, oui, nous vous écoutons. Oui. Je crois qu'il y a un problème de réseau. En tout cas, moi, j'ai réglé le mien aujourd'hui. OK, excellent. About. Bonsoir, About. Oui, bonsoir. Bonsoir, M. Bassam. Bonsoir, tout le monde. Désolé. Bon. Oui, j'avais un peu de connexion comme toujours. Donc, okay. Donc, on va reprendre ce qu'on a fait rapidement. OK, pas à pas. OK. OK, je valide la partie. Et on valide la partie, voilà. Mm-hmm. Revenons, fermez ça. Donc, par rapport à ce qu'on a fait hier, on est allé à configurer et on va. On va aller à référentiel technique. Et donc, on va choisir notre référentiel et on va le modifier. On va choisir notre référentiel technique qui n'avait pas de compétences. Et là, on a coché un ensemble de compétences 102, 103, 104, 105 pour faire partie de notre référentiel technique. Bien sûr, on n'a pas fait trop de tâches, mais les 4 ou 5 tâches qu'on vient de créer sont associées à notre référentiel technique. Bien sûr, avec les valeurs possibles qu'on a déjà créées. Et on a validé. Comme ça, on aura un référentiel technique qui comporte des compétences techniques. Est-ce qu'on est d'accord sur cette étape? Oui, j'ai un problème de connexion, c'est pour cela que j'ai perdu un peu de contrôle, quoi. Koffi, c'est ton tour aujourd'hui. J'ai perdu de connexion. Ah oui, 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 il y a des interruptions dans votre discours, oui, un problème de connexion. J'espère que ça va rester un peu clair d'ici la fin de séance. Oui, c'est bon. Oui, on va valider. On va valider.
et on va fermer. Est-ce qu'on est d'accord? Donc, comme ça, on a créé notre référentiel avec les compétences. Bien sûr. Lorsqu'on est dans une entreprise... Vous êtes appelé à une call. Monsieur, une question. Comment, Kofi? Et vous êtes à quelle fenêtre? Est-ce que je vois une variation, après? Je ne vois pas. Comment vous avez quitté vos détails? Allô? Non, au fait, il faisait un rappel pour Aboud, qui vient d'arriver au fait. On a répété ce qu'on a fait ensemble, au fait. Ah oui, vous êtes toujours dans... Et au niveau des compétences, bien vous êtes sorti. Nous sommes bien, j'ai pas bien saisi. Je disais tantôt que vous êtes sorti dans la compétence ou bien vous êtes dans la compétence. Il demande que si nous sommes sortis de compétences techniques. Si nous avons fini du avec les compétences techniques, on est sorti du référentiel. On a vu comment associer des compétences à un référentiel, tout simplement. Oui, comme vous êtes, je vois évaluation, mes évaluations à faire. Donc, c'est pour cela. Il y a un problème de connexion chez moi, quoi. Tout cela. Non, on n'a pas commencé l'évaluation. Ok, je vois. On n'a pas fait d'évaluation. Pour le moment, on a créé un référentiel technique, on a créé des compétences techniques avec des valeurs possibles, des niveaux 1, 2, 3, 4, réactifs. Oui, j'ai suivi tout ça là, monsieur. Voilà, et on a associé. Voilà, tout simplement. Maintenant, on va revenir. Okay. On va revenir. Configuration et gestion des tâches. Je ne vois pas son écran. Il va repartager. Moussa, il va repartager. Abou est là. Oui, Kofi, oui. Je suis là. Désolé, j'avais un truc. Okay. Kofi, je me moquais de toi. Le réseau aussi commence à me lâcher. Non, c'est la conscience m'a lâché. C'est pour cela que je ne dis rien. D'accord. Oh. On va revenir à gestion des tâches. On va revenir à notre analyse financière. Attention. Ça, non, analyser la situation financière. Hein? Voilà, la première. Ok. On va lui associer une tâche parente qui s'appelle pilotage de la performance financière. Va en haut. Au niveau de tâche parentale. Ok. Pilotage. Allez-y. Voilà. Ok. Valide. Voilà. Pour la compétence technique, on va refaire ça. Pour la compétence technique, par exemple, en analyse financière, je vais tester la loupe. Non, il devait être un expert, un avancé. Voilà. Aboud, on a choisi confirmer, au moins confirmer. D'accord. Pour faire la tâche analyse, la situation, analyser la situation financière, on a dit qu'en compétence technique, au moins, il doit être confirmé, c'est-à-dire maîtriser les techniques d'analyse financière. Pas nécessairement il forme les autres, mais il connaît les techniques d'analyse financière. D'accord. Analyse de bilan, analyse pluriannuelle, analyse de pool de financement, analyse de levier, et ainsi de suite. De trésorerie. Pas de financement, voilà. Des cycles financiers, tout ça là. Voilà, fermé. Et on a dit pour maîtriser les procédures comptables, au moins, il connaît les principes et les techniques comptables. Pas nécessairement, il est capable d'élaborer les techniques, les documents comptables. OK? Mais au moins, il connaît les principes techniques et les techniques, il peut appliquer les techniques et les principes comptables. D'accord. Voilà. Fermé.
intermédiaire. Voilà, on va valider. Voilà. Vous voyez, la transparence, elle vient d'apparaître maintenant. Oui. Le tâche de la performance financière. Voilà. Analyser les écarts est là comme tâche parente pour l'analyse de la situation financière. Analyser les risques financiers est là comme tâche parente pour analyser la situation financière. Et l'analyse de la situation financière est là comme tâche le pilotage. Ah non, analyser on va dire écarts. Assurer. Non, non, analyser regardez. Écarts, c'était une tâche créée par moi. Hein. On va dire assurer le pilotage. Hein. La tâche, on va mettre un verbe d'action. Donc, on va aller à la tâche, non, la tâche pilotage. Ce n'est pas là-bas. Il faut descendre en bas et modifier la tâche. Merci. Ou descendez en bas. Aussi. Pilotage de la performance financière. Oui, on commence par un verbe d'action. Sélectionner et modifier. C'est bon? Assurer le pilotage de la performance financière. Oui. Je peux valider maintenant? Très bien. Monsieur Bassam, on va faire quoi maintenant? Pardon? Je parle à Monsieur Bassam. Monsieur Bassam, vous nous suivez? Yeah. Peut-être qu'il a un souci avec, avec le câble. C'est un problème. Donc là, c'est ça. Assurer le pilotage de la performance financière. C'est pour rien. Ouais. Il n'y a pas un comptable parmi nous. Non, pas du tout. Désolé. Il y a un comptable parmi nous, non. Je ne crois pas. Désolé. Kofi, tu as bien reçu les fichiers que Madame Fatima a partagés? Ah non, je n'ai même pas utilisé déjà. Un bijou, quoi. Parce qu'il me manquait certains indicateurs pour analyser même. Ouais. Vous descendez en bas pour analyser mes travaux. C'est sur le groupe croissant. Oui. D'accord. Je vais chercher. Monsieur Bassam, vous êtes avec nous? Oui, on va aller vers pilotage et on va associer des performances, des compétences techniques. Non, pas de là. Non, okay. Ça c'est la tâche parente. On a modifié. On a modifié au fait. Non, on n'a pas associé le pilotage. Vous voyez pilotage. Assurer le pilotage. Où est-il? Oui, c'est ça. Non, c'est pas ça. D'accord. C'est ça. Non. Je pense qu'il a fait déjà le. On a assuré la bien haut. Oui, assurer le pilotage de la performance. Voilà. Elle est là. Est-ce qu'il y a des compétences techniques pour cette tâche? On va modifier quoi? On n'a pas. N'est-ce pas? Oui. Oui, il n'y a pas de tâche. Il n'y a pas de compétences techniques. Voilà. Donc, on va lui associer des compétences techniques. Allez-y, pour l'analyse financière. Ça, je vais sélectionner. Oui. Qu'est-ce qu'on va mettre?
On va mettre avancer. Pourquoi avancer? Capable de former les autres. Comment c'est mieux, toi? Voilà. Pour notre entreprise, en termes de ISO 9000, est-ce qu'on va lui demander quelque chose, ce monsieur qui va piloter la performance financière? Bon, s'il y a un lien, c'est possible. Si ça peut améliorer l'analyse ou bien le rendement financier. OK, on va oublier. Pour la maîtrise des méthodes de mesure, on va oublier. Oui. Pour la maîtriser les procédures comptables, qu'est-ce qu'on va lui mettre? Ça peut être confirmé. Confirmé. Confirmé au moins. Voilà. Oui. Et on va valider. Si on descend maintenant, on va voir qu'il y a des compétences techniques pour cette tâche. La voilà. Oui. Excellent. Donc, on va fermer. C'est bon? Oui. Oui, c'est bon. OK. Est-ce qu'on a quelque chose à qui n'est pas clair à ce niveau-là? Non, jusqu'à maintenant, ça va. Allez-y. Donc, on va aller juste à configuration. Oui, oui. Question, oui. Oui, tout ce qu'on vient de faire, on n'a rien fait sur ressources humaines. Oui, ce qu'on a fait maintenant, c'est bien saisi. Hein. Oui, j'ai dit on n'a rien fait sur ressources humaines. C'est seulement comptable financier. On n'a rien fait pour ressources humaines. Ah oui, peut-être si on aura le temps, on va y revenir. Hein. Mais okay. Le principe, c'est de créer un référentiel, okay. Associer des compétences à un référentiel, c'est déjà fait. On a okay. Créé des tâches et on a associé les compétences fondamentales à cette tâche. Que ce soit communication, okay. Organisation, raisonnement, que ce soit technique. Donc, les quatre compétences fondamentales, on les a associées à des tâches. OK. Et chaque tâche, on peut lui associer une tâche parente. Et on a vu comment créer la tâche, comment supprimer la tâche, comment modifier la tâche. OK. Voilà, c'est maîtrisé tout ça. Maintenant, on va créer les fonctions. OK. Voilà. Les fonctions qu'on a créées, si vous vous rappelez, qu'on a fait dans l'organigramme, sont là. Oui. N'est-ce pas? Oui. OK. Moi, je crois qu'on allait ajouter les tâches. Voilà. On a ici l'ensemble des fonctions qu'on a créées. Si on n'a pas créé une fonction ou on a oublié une fonction ou on veut ajouter une fonction, on va aller à gestion des entités organisationnelles. Ce n'est pas la peine de revenir au module qualité, d'entrer dans l'organigramme pour gérer les entités organisationnelles et fonctionnelles. On peut gérer d'ici. Allez-y à gestion des entités organisationnelles. Et là, on aura la possibilité d'ajouter les entités organisationnelles. Voilà. Avec les parents. C'est comme si on était dans le module qualité et dans l'onglet organigramme. N'est-ce pas? Allez-y, on va ajouter une entité organisationnelle. On va dire atelier A. AK espace atelier A. Comment on a fait? On n'a pas fait, voilà. Directement, atelier K, atelier 1. 100 mètres AK. Non, ce n'est pas AK. Regardez bien, qu'est-ce qu'on va mettre? 3.1, atelier 1.
ou l'atelier A. Espace atelier A. Et la tâche parente, c'est trois points, direction de production. Et on va valider. Donc, vous voyez, c'est créé l'atelier A. Ils sont pas. Ce lien de parenté entre les entités organisationnelles, c'est clair. Oui. Donc, on peut ajouter atelier B, atelier C. Dans l'atelier A, je peux créer la ligne 1 ou la ligne 2. Oui. Pour recommencer, à commencer, on va lâcher ce moment-là, je suis de retour. Comment vous avez fait pour avoir la fenêtre là? Ok, fermez cette fenêtre et on va revenir à gestion des entités organisationnelles. Maintenant, on va ajouter 3.1.1. La ligne 1. Monsieur Bassam. Oui. La connexion m'a lâché, donc je ne vous ai pas suivi correctement. Est-ce que vous pouvez aller en arrière un peu? Ah, mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Fermé. Ok. Fermé. On va fermer. Okay. On va fermer celle-là aussi. Allez-y. Est-ce que vous voyez? Oui, si c'est bon. Voilà. On va aller à gestion des fonctions. Là, on va gérer les fonctions. Mais il se peut qu'on aura à créer des entités organisationnelles qu'on n'a pas déjà fait dans l'organigramme. Moi, je veux ajouter l'atelier A et la ligne 1. Donc, je vais à gestion des entités organisationnelles et je vais gérer mes entités organisationnelles. Donc, je vais ajouter la ligne 1. Okay. Donc, 3.1.1. Okay. Ligne 1. Vous pouvez la sélectionner, elle est là. Là, le parent, ça sera qui? L'atelier A. Voilà, l'atelier 1, A. On peut mettre la direction de production, mais l'idéal, c'est atelier A. Oui. Donc, c'est la ligne 1 de l'atelier A. Voilà. Voilà. Et elle va prendre place. Si on va à l'organigramme, dans le module qualité, on va trouver l'atelier A et la ligne 1 créée. C'est bon? Allez-y, validez ou sortez de là. Bon. On va revenir à gestion des fonctions. Allez-y. On va au directeur financier et comptable. Oui. Non, on va oublier administratif, approvisionnement, directeur général. Ils ne sont pas importants. Le plus important, c'est le directeur financier et comptable, n'est-ce pas? Oui. Même pas la direction générale. Et donc, on va modifier. Vous voyez, le directeur financier et comptable, il appartient à la direction financière et comptable. Oui. Il est le premier responsable. N'est-ce pas? Oui. Oui. Maintenant, on va lui affecter des tâches. Tout le monde suit, hein? Oui. Maintenant, on va lui affecter des tâches. Allez-y. Analyser la situation financière. Est-ce qu'il est propriétaire, intervenant ou il est informé? Il est propriétaire. Comme lui, c'est lui le directeur. Il est propriétaire. On va dire informé. Oui. Ou intervient. Ou on va dire tout simplement, il intervient dans ça. D'accord. Pour l'analyse des écarts budgétaires. Informé. Informé, ok.
analyser les risques financiers. Propriétaire. Intervient. Propriétaire, oui. Propriétaire. Assurer le recrutement du personnel. Informer. Informer. On peut ne pas être informé. Informé. Allez-y. On va descendre encore. Enregistrer les opérations courantes. Informé. Ça ne concerne pas. Informé, je valide. Non, oui. C'est pas la peine. Pourquoi on l'informe des opérations courantes? Non. OK. Oui, la mesure du matière première, ouais. Il ne le fait pas. Ouais. Allez-y, passez. Identifier les anomalies dans les matières avant la pesée, non. Ça ne lui concerne pas. Interpréter les états financiers. Interpréter les états financiers. Oui. Intervient. Il intervient. Assurer la production, il ne fait rien. Résultat financier. Assurer la performance financière. Oui. Il est propriétaire. Oui. Et l'otage, c'est propriétaire. Ah oui. 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 Son travail principal. Suivre les opérations. Informé. Si il est informé. Pour ouais. Faire les coûts, pour faire les écarts budgétaires. On va valider. Est-ce clair ça? Oui. Et on va fermer. C'est bon? Oui. Allez-y, on fait une autre personne. Oui. Allez-y, pilotez. Attends, configuration. Configuration. Fonction. En quelle fonction? Responsable de lutte et contrôle? Ah oui, c'est. Prends ça là. Hein? Oui, prends ça là. Ou bien directeur approvisionnement. Ok. Audio contrôle. Ah, coffee. Un producteur là. Ok. Moi, je n'interviens pas. Approvisionnement. Bon, on prend quelle tâche voilà, je sais pas, situation financière. Oui. Mais analyser les écarts, oui. Informé. Voilà, analyser les écarts. Il est informé, tout ça là, il est informé. Non, mais il peut intervenir. Envoyer hein. Il intervient. Écart, non. Approvisionnement, pas te vider dans les cas. Écart global de l'entreprise. Non, ça là, tu as refusé. Ça peut être le cas d'approvisionnement aussi dans ton cas. Mais ce qu'on parle ici, c'est le cas de l'entreprise. D'accord. Et il intervient au moins dans ce qui lui concerne. Donc, il intervient. Oui. Oui, voilà. Il intervient. Dans ce qui lui convient, quoi. Mais ici, c'est un peu global. Maintenant, assurer le recrutement du personnel. Informé. Non. Informé. Oui. Oui, il intervient dans la partie qui lui concerne. Hein. Oui, moi aussi. Enregistrer les opérations courantes. Bon, ça ne lui concerne pas. Ça ne lui concerne pas. Faire passer des matières premières. Là, c'est, oui. Ça, c'est propriété, ça. Ça, c'est clair. Abou, c'est toi, ça. Identifier les anomalies des matières. Avant, là, c'est à vous ça. Propriétaire. Informé. Propriétaire, non. Propriétaire, vous avez le service de propriétaire. D'anomalie. Ok. C'est à vous ça. Vous voyez comment Abou intervient, non? Si. Propriétaire. Assurer la production, non, ça ne le concerne pas. Ah bon, non. Assurer la production, non. Non, ça ne le concerne pas. Suivre les opérations, oui. Propriétaire. Non, intervient. Non. Pour l'instant, il intervient dans ce qui concerne quoi?
Oui. Intervient, oui. Il est dans la partie qui lui convient. D'accord. Très bien. On fait un autre, si vous voulez. Non, maintenant, si vous me suivez. Auditeur. On va faire l'auditeur. L'auditeur, oui. C'est l'auditeur. Oui. Audit et contrôle, oui. Il est pas. Responsable d'audit et contrôle. OK. Analyse la situation financière, oui. Propriétaire. Non. Non, mais lui. Un auditeur dans l'esprit. Hein? Soit qu'il est informé, soit qu'il est informé. Intervient, okay. Informé. Analysez les écarts. Intervient. Informé. Audi. Oui, oui. Soit, monsieur. L'analyse des écarts, il intervient. Non, propriétaire. Ah bon? C'est le contrôleur qui fait les écarts. Donc, c'est un propriétaire. Analyser les risques financiers. Informé. Il est intervient. Informé. Okay. Informé. Ok. Faire passer la matière, non. Identifier les anomalies. Non. Interpréter les états financiers, oui. Propriétaire. Oui. Il intervient. En bon? Dans l'interprétation? Oui. L'auditeur, c'est lui faire le cas, donc il va intervenir ce qui concerne. C'est pas dans tout, il va interpréter. D'accord. Oui, voilà. Le financier fait son travail avant que le contrôleur ne vienne. Ok. Suivre les opérations. C'est bon? Non. On peut valider? Non, là, on ne sait pas. Anomalie, tout ça, là, on ne sait pas. C'est bon, normalement. Très bien. Donc, on a vu comment faire les tâches, le dictionnaire des tâches, les tâches entre les tâches et les tâches parentes, associer des compétences fondamentales aux tâches, créer les compétences avec les niveaux souhaités de compétences. C'est la même chose pour communication, organisation et raisonnement et pour les compétences techniques. On les fait de la même manière et on les crée de la même manière avec la même technique, avec les mêmes fenêtres et les mêmes onglets. Maintenant, on va gérer les fonctions, on va créer des fonctions et on va associer des tâches à des fonctions. Maintenant, si vous voulez, on va voir les fiches de fonctions. On va aller à Talent. Et on va voir les fiches de fonctions qu'on vient de créer. Vous voyez ici, oui. Là, on a notre organigramme qu'on a créé. Cliquez sur les plus. Donc, direction générale. Direction audit et contrôle. Direction approvisionnement. Direction comptable et financière et direction administrative. On va cliquer sur directeur financier et comptable, par exemple. On va voir sa fiche de fonction qu'on vient de créer.
Ça prend un peu de temps, mais ça va venir. Il est en train de créer la fiche de fonction. Pourquoi c'est si lent? Où c'est la connexion, le débit? Ah, ok. Non, je crois que c'est pas la, la. Donc, ça, je dois le régler moi-même. Donc, on va revenir le temps que je règle ça. Allô? Oui, oui. Je, revenons à. À la gestion des tâches. Il a perdu connexion. Ok, oui. Il va revenir. Oui. Donc maintenant, l'affaire est réglée. Donc il peut créer les fiches de fonction. Moussa, ça y est? Mais jusqu'à présent, le téléchargement là est là. Non, non, vous revenez à Talent, vous revenez à Talent, puis vous revenez okay. À fiche de fonction. D'accord. Allez à directeur administratif financier, le 5. Sélectionnez directeur administratif financier et on aura notre fiche de fonction. C'est pas normal. Non, je ne veux pas bon, actualiser. Non, on va aller à audit et contrôle et on va choisir. Voilà, elle est venue. C'était venu. Voilà, on va revenir à notre directeur financier et comptable. Voilà. Voilà, voici la fiche de fonction. Donc, on a mis que le premier principal fournisseur, donc responsable d'audit et contrôle, c'est l'un des fournisseurs d'informations. Donc, propriétaire de telle tâche, il est propriétaire d'assurer le pilotage de la performance financière et analyser les risques financiers. Il intervient dans les tâches, analyser la situation et interpréter les états. Il est informé des tâches. Recrutement du personnel. Oui. Et les compétences, doit détenir les compétences suivantes. Communication, organisation, raisonnement, maîtriser les procédures comptables et faire l'analyse financière. Ce sont les compétences exigées. Donc, tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a écrit pour ce poste-là, on le trouve. On peut exporter ce document en Word. Vous voyez l'onglet Word au PDF. Vous pouvez exporter le document en Word et le diffuser. Oui.
Voilà, c'est les télécharger déjà. Vous pouvez le voir en Word. Et donc, lorsqu'on crée les tâches, on crée les compétences associées aux tâches. Et on affecte les tâches aux fonctions, on gère automatiquement et envoie automatiquement notre fiche de fonction. Et chaque modification qu'on fait dans notre base de données, la fiche de fonction, elle sera actualisée automatiquement. On n'aura pas de copier-coller, de problème de version, ainsi de suite. C'est vraiment une connexion à une base de données et à un réseau d'informations. C'est clair, les amis? Oui, oui. Après tout, l'une des avantages de la digitalisation, ok, c'est d'avoir des informations pertinentes à temps, ok, et actualisées. Pertinentes, actualisées. Utiles et actualisées, mises à jour automatiquement, en temps réel. C'est pas maintenant la direction des ressources humaines, elle modifie les fiches de fonction. Et on peut les diffuser qu'après 6 mois, après avoir fait toutes les actualisations et le temps de retirer l'ancienne version et faire éditer la nouvelle version. Non, elle sera automatiquement éditée et chacun il peut connaître sa fiche de fonction automatiquement et aussitôt qu'elle est préparée et qu'elle est mise à disposition. D'accord. Ok. Monsieur Bassam, désolé, j'ai une petite intervention. La plupart des sociétés, elle adopte justement des systèmes ERP, des QAD, par exemple au pharma et tout. Quelle est la brèche, qu'on doit l'optimiser pour convaincre justement des sociétés qui utilisent déjà ces plateformes à adopter KMS, par exemple. Voilà. Tout d'abord, il faut comprendre que généralement dans les entreprises, il y a 3 systèmes d'information. Il y a le système d'information transactionnel. Et ça, c'est l'apanage des ERP. On ne peut pas adapter KMS si on n'a pas un ERP. D'accord. Donc, c'est le minimum d'avoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir ERP. Donc, nous, par exemple, à Carré Group en Tunisie, on adopte KMS. Mais on n'a pas un ERP. On est une petite boîte de consulting, de formation et de développement. OK? On développe KMS avec le partenariat d'IC Canada. Donc, vraiment, on n'a pas... Bon, on a un ERP. Non, on a un ERP. On travaille avec Dolibar, voilà. J'ai oublié que nous travaillons avec un ERP. Mais l'ERP, il est venu après KMS. Et c'est rare. Parce que les ERP, au moins des logiciels de gestion intégrée, et ce sont des logiciels qui suivent les transactions, donc les flux monétaires, les flux de matière sont maîtrisés par l'ERP. Par contre, les flux sociaux et les flux d'informations et les flux de connaissances ne sont pas, ils n'ont aucune traçabilité dans les ERP. Donc, KMS, qu'est-ce qu'il donne? Il donne 2 autres systèmes d'information, à savoir le système d'information organisationnel et le système d'information décisionnel. C'est quoi un KMS? Un Knowledge Management System, c'est le carrefour, c'est le lien entre les 3 systèmes d'information, à savoir transactionnel, organisationnel et décisionnel. D'accord. Donc le KMS,
le knowledge management system, c'est-à-dire la prise de décision sur la base de connaissances. Vous avez vu avec ces Mufid la pyramide des connaissances, non? Oui, non, oui. La pyramide de connaissances, elle se base sur quoi? La première ligne de la pyramide des connaissances sont les données. Les données. Oui. Donc, ce sont des informations non structurées, non enregistrées, pêle-mêle. Donc, ce sont des données. C'était à combien le prix des pommes de terre hier? C'était combien le prix de pommes de terre aujourd'hui? D'accord. C'était quoi le prix de pommes de terre, ça fait une semaine ou un mois? Il se peut qu'on ne connaît pas. D'accord. Ou quelqu'un, il va nous donner des informations sommaires. Ce sont des données. Sur les bases de ces données, on peut prendre des décisions, mais ces décisions-là, ce sont des décisions faibles. D'accord. Ah, prendre des décisions au pif, c'est encore plus faible. Mais si ces données-là sont enregistrées sur papier, sur support informatique, tout ce que vous voulez, ça devient quoi? Ça devient des informations. D'accord. Donc, l'enregistrement de données dans un support d'information, ça devient une information. Bien sûr, s'il est structuré, cette information est digitalisée dans les ordinateurs, on va créer ce qu'on appelle les bases de données. C'est quoi une base de données? Voilà, ce sont les données saisies, traitées, stockées, diffusées et exploitées ultérieurement. Et donc, les décisions prises sur la base de données est beaucoup mieux que celles prises sur des données. Maintenant, le troisième niveau de pyramide de connaissance, c'est la connaissance sur la base de thinking, le système d'intelligence. Connaissant les situations actuelles de n'importe quel paramètre de l'environnement, de l'entreprise, tout ce que vous voulez. Donc, notre système décisionnel, il va prendre telle décision suite à telle et telle analyse. Et donc, il va faire des analyses de causalité. Il va donner des décisions argumentées sur la base d'informations, mais aussi sur la base de connaissances. En connaissance de cause. Pourquoi il a pris telle décision? Il a pris la décision, cette décision, en connaissance de cause, c'est-à-dire sur la base de connaissance. C'est un expert. Et donc, le KMS, je répète, c'est le carrefour de trois systèmes d'information. Transactionnel, c'est le ERP. Organisationnel, c'est l'organigramme, les flux d'information. C'est le talent, après tout, Hancho. Et le système décisionnel, le pilotage, tel que les tableaux de bord, la gestion des parties intéressées, revue de direction, les réunions, gestion des réunions, ainsi de suite. Parce que toutes les décisions, généralement, ou les décisions majeures, sont prises dans les réunions. On n'a pas vu le mot de réunion, mais peut-être on aura le temps d'y passer. Donc, c'est très important. Donc, le KMS, il est là pour vous aider dans la prise de décision sur la base de connaissances. OK. Okay. Allez-y. Excellent. Moussa, c'est bon? Allez-y. Vous voyez, à gauche, vous avez le mot consultation. OK. Oui. On peut voir les autres fiches de fonction qu'on a créées par la même occasion. OK. Approvisionnement? Oui, approvisionnement. OK. Voilà, monsieur le directeur de l'approvisionnement. Voici sa fiche de fonction. Donc, les tâches pour lesquelles il est propriétaire, il intervient ou il est informé.
avec les compétences qu'il doit détenir. On va voir audit et contrôle de gestion. Donc, vous voyez, au fur et à mesure d'alimenter la base de données, on aura de très belles fiches de fonction, ouais. Claires, nettes, actualisées, ainsi de suite. Voilà. Voilà, si vous cliquez sur le magasinier, qu'est-ce qu'on va trouver? Rien, on va trouver une fiche de fonction vide. On n'a rien fait là. Voilà, on, rien oui, on va trouver une fiche de fonction vide. Propriétaire de telle tâche, intervient dans telle tâche. On n'a rien fait, donc on ne trouve rien. OK? OK. Maintenant, on va aller à gestion. En haut, on va choisir ses directeurs administratifs et financiers tout d'abord. Ici? Financier et comptable plutôt. Directeur financier et comptable. Ce qu'on vient de voir, voilà le premier. Et on va aller à gestion. En haut, à gauche, il y a le mot gestion. Gestion, gestion. Voilà, en dessous de consultation. Voilà, gestion. Voilà. Vous voyez ici? Donc, on va compléter notre fiche de fonction. On va voir les liaisons. Il dépend de qui, ce directeur administratif et financier? Il dépend de la direction générale, n'est-ce pas? Oui. Donc, on va choisir la direction générale. Dépendance et direction générale. C'est directeur général, hein, pas direction. Oui, directeur général, oui. OK. OK. Quels sont ses collaborateurs? Il y a le comptable, le contrôleur. On va trouver uniquement ce qu'on a écrit. Hein. Oui, oui. Il peut y avoir un responsable de lutte, hein? C'est bon? On prend ça? Oui, contrôleur aussi. Bon, ça c'est le... Bon, on va le fermer, c'est le... Il n'y a pas encore de la direction générale. Il y a plus de tout encore. Donc, moi, il devait avoir le financier simple, le comptable aussi simple. Donc, on n'a pas ça. Il y a un contrôleur ici. Oui. Oui, bon. Mais on n'a pas créé. Normalement, voilà. Il a des collaborateurs. Oui. Il a le comptable, le financier, le head comptable, le head financier, le trésorier, tout ce que vous voulez. Bon. Tout ça sont ses collaborateurs. Donc, on va les écrire ici. OK. On va laisser pour le moment cet auditeur pour remplir la case tout simplement. Mais ce n'est pas ça. OK. OK. Même pas une secrétaire. Mais quelle est sa fonction? On peut le laisser vite, c'est pas grave. Allez-y. L'intérim, en cas de congé, qui va prendre sa place? Directeur administratif. C'est l'assistant. On n'a pas fait ça. Non, c'est... On n'a pas créé. Donc, on va dire le directeur administratif. Il va prendre la relève. Sinon, c'est son assistant. On dit 10 fois ça peut être deux. Regardez bien, ça peut être plus qu'un intérim. On peut avoir 2-3 intérims. Chacun, il va prendre quelque chose. Mais on va laisser un seul. Les principaux clients. Qui sont ces principaux clients? Ces principaux clients, c'est bien. Là, client ou bien fournisseur? Client, c'est-à-dire c'est. Non, non, bon client. Après, fournisseur. Client, c'est le comptable. Comptable? Je crois à tous tes clients. Hein. Oui, oui, c'est service. Il est au centre de toutes les opérations. Tous les autres services. Tous les autres services. Tous ces gens-là, ce sont des clients. Ouais. On va les sélectionner tous. Tous. Voilà, ce sont des clients. Oui. Quel est son fournisseur? Fournisseur?
Le comptable. C'est le... Non, c'est pas ça. Ça c'est lui. Non, pas le comptable. Hein. On n'a pas fait. Mais on va dire tous, ce sont des fournisseurs qui donnent des informations. OK. OK. Le magasinier, il va donner l'inventaire réel. Le directeur général va donner des idées sur les projets futurs pour le plan d'investissement. Donc, on va mettre tous. C'est bon. Vous descendez un peu. Vous voyez les tâches pour lesquelles il est propriétaire, pour lesquelles il intervient, ainsi de suite. Donc, on a complété notre fiche de fonction. Revenez en haut et enregistrez ou modifiez. Il y a enregistré ou modifié. Modifié. C'est enregistré. Enregistré là-bas où il y a modifié. En bas dans la fiche, vous voyez le bouton modifié. Oui, ici. Voilà. Enregistré. C'est bon? Oui. Donc, si on revient à consultation, on va voir que notre fiche a été modifiée. Avec ces éléments-là, le lien hiérarchique, les clients, les fournisseurs, ainsi de suite. Allez, là, voici, c'est ici. Oui, consultation. Voilà, c'est modifié. Oui, modifié. Ces cases étaient vides, maintenant, ils sont... Voilà. Renseignés, exactement. Oui. Donc, en termes de compétences, si quelqu'un dans KMS, il arrive à présenter une fiche de fonction correcte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a mis la tâche, il a décrit les tâches, il a fait le lien de parenté des tâches, il a associé des compétences fondamentales aux tâches. Il a créé les fonctions, il a associé les tâches aux fonctions, il a géré la fiche de fonction. Donc, si quelqu'un élabore cette fiche-là, donc il a passé par tout ce processus. N'est-ce pas? Oui. Donc, je peux créer un niveau de compétence technique pour ceux qui vont utiliser KMS au niveau de la direction ressources humaines de mon entreprise. Donc, je vais avoir niveau 1, par exemple, saisir des tâches. Est-ce qu'il peut associer des compétences à des tâches? Non, ça lui dépasse. Et d'ailleurs, il doit le faire avec tout le monde. Parce que je ne peux pas associer les compétences techniques à l'ensemble des postes. Et surtout avec les niveaux. En météorologie, moi, je ne comprends rien de la météorologie. Donc, je suis obligé à aller, monsieur production, dans l'atelier A, dans la ligne 1, pour me dire telle compétence technique, elle va avec telle fonction ou tel poste. C'est pourquoi... La partie communication, question, organisation et raisonnement est importante, oui. Une question. L'atelier A et la ligne 1, là, c'est dans l'organigramme ou bien c'est dans le processus? C'est intégré dans l'organigramme maintenant. Allez à qualité, Moussa. Allez à l'onglet organigramme. Tout ce que j'ai... Moussa? OK. Là, c'est ça. Il l'a fait. Organigramme. Oui, il est apparu. Direction de production, oui. 3, 1, 3, voilà. 1, 1. Vous voyez, sous la direction de production, atelier A et ligne 1. Parce qu'on a créé ça. J'ai dit, on n'a pas besoin de sortir et revenir, et ainsi de suite. Ces entités organisationnelles et fonctionnelles, on peut les gérer à partir du module talent.
Maintenant, ici, OK. C'est vous qui l'avez. Comment? OK, on revient à Talent. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Non, non, ça va jusqu'à maintenant. On avance très bien et parfaitement. Entends la télé. OK, c'est bon. Allez-y. Revenons à compétences. Revenons à configuration. Revenons à fonction. À gestion des postes maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter dans la gestion des fonctions? Non, 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 non. Voilà. Maintenant, on va ajouter des postes qui vont être associés à des fonctions. Là, on revient à la personne. Oui. Donc, quel est le poste qu'on va le faire? Par exemple, le poste responsable financier, responsable voilà. Comptable, responsable. Le poste financier, comptable, voilà, directeur comptable et financier. Allez-y, on va choisir un financier, par exemple, le poste de financier. La fonction, il appartient à quelle fonction? Il appartient à la fonction directeur financier comptable. Je peux avoir le poste directeur financier et comptable. Et la fonction, c'est directeur financier et comptable. Quelle est la différence entre poste et fonction pour nous? Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que la fonction, c'est beaucoup plus général dans l'absolu. Le poste, c'est la contextualisation de la fonction. OK. Je prends un exemple. Dans mon travail, j'ai un travail posté. Donc, j'ai 3 postes. De 6h à 14h, de 14h à 22h et de 22h à 6h. Et j'ai, dans l'atelier A, au niveau de la direction de production, un responsable de l'atelier A. Donc, dans les 24 heures, combien j'ai de responsables? J'ai 3 responsables, n'est-ce pas? Oui. Donc, le poste responsable atelier A. Et c'est un poste tournant. Lorsque je suis dans le poste, il se peut que la fiche de fonction de responsable de l'atelier A, celui de 22h à 6h, n'est pas la même que celui de 6h à 14h. Comment? Je suis dans l'atelier A et je suis pendant la journée. Un petit accident au niveau de l'atelier est parvenu. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer l'employé à la direction ressources humaines pour qu'il s'en occupe. N'est-ce pas? Oui. Donc, gérer les accidents de travail, la relation avec l'administration, avec l'hôpital, avec tout ce que vous voulez, sera fait par la direction ressources humaines. Mm-hmm. Mais moi, en tant que responsable atelier A, pendant la nuit, de 22h à 6h du matin, lorsque j'aurai le même incident et une blessure au niveau de l'atelier, qui va s'en occuper pour gérer cet accident, c'est moi le responsable atelier A. Donc, dans ma fiche de fonction, fiche de poste beaucoup plus que fonction, dans ma fiche de poste, elle diffère du jour
par rapport à la nuit. C'est pourquoi le poste, on va dire, la contextualisation de la fonction dans le temps et dans l'espace. Est-ce qu'on a saisi la petite différence entre les deux? Oui. Et la petite nuance entre les deux. Le poste est la réalisation de la fonction. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? Qu'est-ce que vous voyez ici? Vous voyez 17 compétences comportementales. Là, on est sur les personnes. Défiler le curseur. Donc, on a l'adaptabilité, la communication interactive, la confiance en soi, la créativité, développement des autres, relations et réseaux, influence et incidence, initiative, leadership d'équipe, leadership de changement, orientation service à la clientèle, donc perception et alignement stratégique, perspective plutôt, prise de décision, raisonnement analytique, résolution de conflits, travail d'équipe et collaboration. Donc, on a 17 compétences comportementales. Ce sont les compétences comportementales canadiennes. C'est le référentiel canadien. Des compétences comportementales. Et donc, pour ce directeur financier, on va lui affecter, pas nécessairement les 17, on peut avoir les 17 compétences comportementales nécessaire pour exercer sa fonction. Si on va, par exemple, pour l'adaptabilité ou l'écoute active, les premiers, par exemple. Comme d'habitude, est-ce que c'est réactif, proactif, stratégique, quoi? Donc, on va aller dans la loupe. C'est quoi, au niveau de l'adaptabilité, réactif, le niveau réactif? C'est reconnaît et se conforme au changement. C'est quoi le niveau actif? C'est change son comportement ou son approche habituelle en fonction d'une situation précise. C'est quoi le niveau proactif? Descendre un peu le curseur. C'est prévoir et adopte de nouvelles façons de travailler. Et quatrième niveau, le niveau stratégique au professeur. Okay. Voilà. Prévoit et instaure des plans qui appuient des changements importants. Et dans chaque niveau, on donne plus d'explications. Si on est proactif, par exemple, on prévoit le changement dans l'environnement de travail. Et on se prépare et accueille le changement en recueillant de l'information, en posant des questions, etc. On réfléchit au changement, on prend la responsabilité de changer son comportement afin de s'adapter au changement. Ces changements sont en tendance à être ampleur, par exemple, initiative majeure, un changement au programme. Un changement de rôle, etc. C'est le niveau réactif de l'adaptabilité. Donc, on a 17 compétences comportementales. Chaque compétence comportementale englobe 4 niveaux réactifs, actifs, proactifs et stratèges. Et nous devons affecter pour les postes les compétences comportementales, parce qu'on est maintenant sur les personnes et sur les postes bien précis, et on va associer des compétences comportementales nécessaires à l'exercice de la, de, pas de fonction, du poste. Parce que le financier, on connaît qu'est-ce qu'il fait un financier. C'est plus ou moins universel, c'est plus ou moins standard. Mais le poste de financier dans mon entreprise ACA, il est un peu particulier parce que ça nécessite tel ou tel comportement de financier.
Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Est-ce que oui. Vous avez des questions? Non, non, non. Juste une question, M. Bassam. Justement, dans, oui. C'est-à-dire dans les structures des sociétés. Bon, est-ce que cela, c'est-à-dire le pousse à dire que, c'est-à-dire le poste de financier dans les entreprises, il est axial ou bien il est au centre, c'est-à-dire il a une importance centrale dans les entreprises. Dans le tiers monde, oui. Donc chez nous, en Afrique, oui. Pourquoi? Ah oui, parce que on est toujours sous la sollicitation des banques. D'accord. Tout simplement. C'est pas pour, ça. Pour les pays développés, mm-hmm. Le financier n'a d'importance que pour le holding. Pour les sociétés qui travaillent avec le capital et avec l'appel public à l'épargne et les bourses. Autrement, c'est recherche et développement, c'est le marketing, c'est la vente. C'est ça qui a le plus d'importance. C'est monsieur vente. D'accord, d'accord. Chez nous, parce qu'on est toujours à la merci des crédits auprès des banques, donc le financier, il trouve tout le champ pour être important. Et pourtant, un financier, c'est un processus de pilotage, de réalisation ou de support. Malheureusement, M. Bassam, oui. Chez nous, le pool financier pense être supérieur à tout le monde. Oui, parce qu'on le met au niveau pilotage. Par contre, il est dans le support. Support, normalement, oui. Pourquoi il est support à tout le monde? Parce qu'il est assimilé à la direction générale. Il est assimilé au pilotage. Et c'est lui qui va apporter de l'argent pour l'entreprise. C'est lui qui va faire le dossier pour avoir les crédits. C'est lui qui va dire qu'il y a de l'argent pour acheter le stock de matières premières ou on n'a pas d'argent. C'est lui qui fait le suivi des chèques à émettre ou à recevoir. Mais est-ce que veut dire que il doit être mieux rémunéré que ceux qui sont dans le cœur du métier, les techniciens? Je ne dirai jamais ça. Voilà. La question de rémunération, c'est une question d'offre et demande, uniquement. D'accord. Bien sûr, si on est dans un pays là où il y a pénurie de financiers, il sera mieux payé que les autres. Dans une situation où les financiers sont nombreux, leur salaire va baisser. C'est l'offre et la demande uniquement. OK. Donc, fermez cette onglette. Lequel vous voulez travailler avec quelle compétence comportementale pour se financer? Allez-y. On va mettre 4 ou 5 compétences comportementales uniquement. On va mettre 8. Hein. 5. Contrôle des situations difficiles. On va mettre 8 ou bien 10. La science chaud, puis 10 initiatives. C'est bon? Ou bien leadership? Oui, c'est bon. Contrôle des situations difficiles. D'accord. Oui, également. Niveau 3. Et bien niveau 2. Il prend quoi d'autre? Leadership ou bien deux autres ou trois autres.
Moussa, donc oui. c'est à moi tu as fait tout ça là. Ah, tout ça là c'est pour toi. Ah, c'est pas rien d'être un directeur financier. Hein. C'est bon maintenant? On peut valider? Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et donc, on a créé le premier poste qui appartient à telle fonction, ainsi de suite. Donc, on va créer tous les postes. Fermé. Donc, si on revient au module talent, ça y est, vous voyez, pour la gestion de compétences, presque on a fait le tour. Si on appuie sur configuration, donc la partie référentielle, on a vu comment on, référentiel, donc on a vu comment créer un référentiel. Ce qu'on a fait sur le technique, c'est la même chose sur le comportemental et sur le fondamental. Puis, on associe des compétences, on fait des compétences, que ce soit fondamentales, comportementales, techniques. Puis, on les associe à un référentiel. Puis, on va gérer les tâches, abstraction faite des personnes. On va gérer les fonctions, la même chose, abstraction faite des personnes. Puis, on va gérer les postes et les personnes. OK. Cliquez sur référentiel fondamental, en haut, le commerce. Voilà. On a un référentiel, il a un ID 19, communication, organisation, raisonnement. Cliquez là-bas. Merci. On va le modifier. Vous voyez? Oui. C'est quoi la communication? Il a fait un descriptif. Oui. OK. Organisation descriptif. Raisonnement. Oui. On va fermer. C'est pas ça ce que j'ai voulu faire. On va fermer. Valide. On va aller à la compétence comme compétence fondamentale. Compétence fondamentale. Compétence, pas le référentiel. OK. Oui. C'est la même chose, c'est la capacité compétence. Voilà. Cliquez sur communication et allez à valeur possible. Je vais éliminer le ralentisseur. D'accord. Et le passif. Passif. Supprimer. On va supprimer ça. Et on va supprimer le passif. Le passif. Et ça existe dans des situations là-haut, ça devrait, on met des. Ça devrait, on utilise ces deux paramètres. Annuler. On l'a fait. Qui aura Sarah. C'est supprimé. Non, on peut pas revenir. Ça y est, c'est supprimé. Mais généralement, on aura des saboteurs, bien sûr. Dans la vie, il n'y a pas que de bonnes personnes. Oui. Il y a les saboteurs, il y a les menteurs. Voilà, c'est pourquoi ça existe, ralentisseur. Ou passif. Passif, quand même, ce n'est pas négatif. Le ralentisseur, c'est négatif. Oui. Il donne de fausses informations, il manipule, il donne... Il fait tout pour semer la bagarre. OK, allez à organisation. On va voir ce ralentisseur, qu'est-ce qu'il fait. Non. Valeur, modifier compétences. Je veux voir les niveaux fermés. On va aller à valeur possible. Valeur possible. Oh.
C'est quoi un ralentisseur? S'oppose à toute nouvelle organisation. Oui. C'est la résistance au changement. Tout à fait. Ne s'adapte pas aux nouvelles organisations. Ça existe. Oui, oui. Et c'est le cas. Partout, un petit peu. Donc, c'est pourquoi j'ai cherché à éliminer tout ça. D'accord. OK. Parce que ce n'est pas une attitude pour laquelle on peut avancer ou améliorer. Ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Oui. Il y a, monsieur Bassam, je pense que... Désolé. Je pense que ces deux-là, on les retrouve beaucoup plus dans les établissements étatiques. Oui, oui, tu as raison. Oui. Oui, c'est beaucoup plus, oui. Au niveau des fonctions publiques. Ils sont discrets, mais dans l'étatique, pour l'étatique, si je ne travaille pas, j'aurai mon salaire, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Et si je travaille, qu'est-ce que vous allez m'ajouter? Rien. Rien. Oui. Pourquoi voulez-vous que je travaille? Exactement. Ça a été annoncé par un directeur. Un directeur, il était congelé. Vous connaissez le mot congelé, hein? Oui. Et il est mis au frigo, c'est-à-dire il ne fait rien. Il ne fait rien, oui. Et c'est un directeur. Donc, il a tous les avantages d'un directeur central. Il a la voiture, les journaux, les bons d'essence, tout ce que vous voulez. Oui. Et donc, il ne faisait rien pendant au moins 2 ans. Après 2 ans, le PDG lui a demandé de venir. Et donc, on a un projet et on veut que vous contribuiez dans ce projet. Il lui a dit, moi, je ne travaille pas, je touche mon salaire. Maintenant, vous voulez que je travaille. Qu'est-ce que vous allez donner de plus? Ouais. C'est exactement ça. Je le licence automatiquement. Dans la fonction publique, c'est pas comme ça. Même si vous êtes un ministre, vous ne pouvez pas le faire. Oui. Oui. Après tout, vous parlez à un directeur qui est congelé. Si vous allez l'attaquer, c'est lui qui va vous attaquer. Il vous dit, ça fait 2 ans que je n'ai signé aucun papier. Wow. Parce que vous ne savez pas travailler. Vous ne savez pas exploiter votre personnel. Vous ne savez pas motiver, ainsi de suite. Ouais. Et si on entre dans une discussion juridique avec les tribunaux, c'est fort probable que c'est lui qui va gagner. Ouais. OK? Oui, malheureusement. Ouais. Malheureusement. C'est bon? Très bien. Ouais. C'est bon. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va jusqu'à maintenant. OK. Donc, demain soir et après-demain, on va continuer à voir l'évaluation et on va survoler le module Hanshu, le module de formation, le PowerPoint. Comme ça, je crois que vous aurez le tout. D'accord. On a presque tout terminé et c'est excellent. Oui. Très bien, oui. On avance bien, ça va. On avance très, très, très bien. Oui. N'est-ce pas, Kuruma? Oui, tout à fait. Ben, c'est Kofi qui va confirmer ça, normalement. On Kofi, est tous là pour travailler pas. Pour Kofi. On ne travaille que pour le directeur financier. Nous. Ah oui, pour... ok, continue. Donc, demain, il faut apporter des jus, hein, pour qu'on puisse croire. Ah oui. Avec des petits gâteaux. Oui. Voilà. Ok. À demain, Inch'Allah. Ok. Merci, monsieur. À demain. Merci, à demain. Au revoir. Au revoir. Merci à vous de même. Okay. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Merci, Kuruma. Merci. Ça va bien, ça va bien, ça va bien. Réveille vite pour le boulot. D'accord.
Ok, bon courage. Demain, on va lui donner une prime pour Romain. Ah oui. Et c'est Kofi qui va payer, n'est-ce pas, Amboud? Ah oui, oui. Ah oui, je confirme là, je confirme. Ah oui, il doit payer. Ok, exactement. Okay.